anglais et médias en ligne. Jacques nous connaît, moi c'est Cherson Sanon, ancien chef sécurité, ancien sénateur Maurice Jean-Charles et coordonnateur départemental sud-est plateforme Petite de Salé. En plus, nous tous qui là, nous connaissons que nous sommes passés 10 ans en vie dans la prison, côté que nous ne faisons rien pour nous aller dans la prison. Pendant que j'étais dans la machine ensemble avec le sénateur Moïse Jean-Charles, je suis recevoir un coup de fil qui était mené dans la prison. Donc, je parle de nous objectif conférence de presse. Objectif conférence de presse, c'est pour démentir formellement M. Pierre Espérance, directeur exécutif RNDDH, là, qui dit que c'était moi-même, Cherson Sanon, qui était allé dans le bureau pour aller porter plainte pour Joseph Lambert, Edwin Daniel Zenidi et Edo Zeni, Jackie Kaoli et Joël André Kaoli. C'est faux. Je n'ai pas de mon numéro de téléphone Pierre Espérance. C'était seulement sur radio et la télévision que je me contentais à Fouet Citoyen. Deuxième point, c'est pour me démentir Pierre Espérance encore. Côté que lui dit qu'il n'a pas jamais parlé dans le téléphone avec moi, et M. Dim, son chef gang. Je vais le prouver pour le monde entier que c'est Pierre Espérance qui gagne. Troisième point, je vais le démentir M. Pierre Espérance qui dit qu'il fait 10 ans là pour occuper la famille. Je vais le prouver ça tout. Quatrième point, c'est pour éclaircir nous. Toute conversation, c'est pour moi un éclaircissement sur toute conversation téléphonique que je dégaine avec M. Pierre Espérance pendant que je suis en prison. Cinq, c'est pour informer la presse que je dépose en plainte dans le parquet Port-au-Prince pour Pierre Espérance pour extorsion et vol de téléphone et séquestration. Six, je m'a demandé la justice pour le faire suivi avec le dossier non, pour nous donner justice avec préparation. 7. Et je t'ai remis tout qu'on est pour qui raison Pierre Espérance dit il fait 10 ans après transfert de famille. Est-ce que c'est un deal qui me gagné avec lui? Lui-même l'a dit ça. Parce que je ne pas qu'on aime, il ne parle pas même, je ne pas qu'il intérêt pour transfert de famille. 8. Pierre Espérance dit lui-même dans la prison. Après, je me suis gagné 2 ans en prison. Je vais le porter éclaircissement sur ça toujours, parce que tout ça le dit, c'est faux. Je vais le détailler pour nous. Premier point. Je vais recevoir un appel sur 3776-2101. Si toi, RLM, il m'a dit est-ce qu'il est capable de parler avec Cherson Sanon? Je vais dire oui, c'est moi-même, pas de problème. Et puis, il dit je vais avec un ami dans RNDDH. Et Rivière pour nous parler. L'aime rivé, monsieur dit mon sage, mon cher, vous avez un épée dans vos clés sous tête, ça va servir, mais servir fort. Si vous n'avez pas bien joué ensemble avec moi là, vous avez perdu la vie dans le sud-est. Je demande pour qui raison, il dit et Dozeni avec Joseph Lambert, vous avez livré le département par Maurice Jean-Charles pour ne pas avoir respect pour le monde. Il faut apprendre à respecter le monde. Elle m'a demandé tout, est-ce qu'elle va subir une arrestation de un juge de paix qui est le Nader Désir? Je dis oui. Elle même arrivé devant moi, l'arrestation, qui c'était 8h30, la soirée, je pas songé d'un. C'est pas de mentir. Pour vu que M. Dimbaraï, ça, c'est vérité, je vais prendre tout ça qu'elle dit pour l'évangile. M. Dimbaraï, et deux ennemis avec Joseph Lambert, préparé un plan d'assassinat pour moi. Monsieur dit mon cher Mabumbaraï pour en urgence rapide qui sont asile politique mais pas quitter madame Bonnet. Monsieur prend ma chimie, il a le déposé dans Belle Lune Hôtel. Moi passé 10 jours en tout dans Belle Lune Hôtel. Premier 3 jours, moi retourné dans bureau monsieur, moi te joindre environ 12 à 13 blancs étrangers dans bureau monsieur dit faire vite. Si ça pour moi, c'est ou même blanc ou aptan. Mais moi-même qui connais que la vie mangée, et puis n'est-ce pas parler de asile politique, je comprends c'est vrai. Moi, pas de gens qui connaissent si Pierre Espérance, c'est des gens de monde ça a payé. Si c'était saleté qu'on fait pour lui, et que moi, je pose signature sans garder parce que je ne sais pas si c'est des gens de monde ça a payé.
rapide, sans hésiter pour poser signature sur le document. Mais comment Chelson Sanon est arrivé, si un document, côté que monsieur fait moins témoigner, ok, moins témoigner sans que je ne connaisse pas. Que me connait des drogues pour Lambert et dosé des Joël Raouli et me connait tuer monde pour tout c'est ça que monsieur dit dans document. Malheureusement moi était signé document ça monsieur mettait dans machine sous 10e jour lui voyait moi dans lui fait Marie Olène Gilles avec Marie aussi Auguste du Sénat menait moi dans palais de justice ou bien dans tribunal première instance de Port-au-Prince pendant m'a rentré dans tribunal là seulement. Toute unité dans la police là est en présent. Moi n'ai qu'à rentrer, c'est garder mes armes à braquer et du tout radio RCH 2000 qui m'a informé moun de l'arrestation de Chelson Sanon. Donc, moi, pourquoi même moi, juge, je suis arrêté. Juge qui prend l'arrêté, je suis arrêté sans qu'il pourquoi je suis arrêté. Je suis arrêté. Je suis même arrêté. Je suis arrêté. Je suis même rentrer dans le bureau. Et là, c'est ton bagage qui était déjà planifié. Tout de suite, je vais me pénétrer national. Environ 5 minutes après, Pierre Espérance débarque, lui pote un document ban moi, lui dit moi prendre li document ça, ou apprendre ni paquet, si ou pas ka réciter devant juge là, Jean Kelier va passer toute vie ou dans prison. Et ceci, lui tout imposé mon avocat qui c'était maître Mario Bouvoir. Moi par contre rien en prison, malheureusement, on prend en piège. Ok? Et puis, je viens transporter dans la prison civile à Kayen. Pierre Espérance passe l'ordre formel. Côté que lui interdit à visite famille, zamim. Seulement RNDDH qui était capable de visiter. Heureusement, il n'est pas capable d'empêcher l'ambassade de France de visiter. Heureusement, il n'est pas capable d'empêcher l'ambassade américaine de visiter parce que. Dans tout ça que je fais, je indexé directement les États-Unis et la France parce que dans le papier que je fais, sien, sans que je ne me compte ça qui est là dans là, il dit que je suis deux Français, papa et petit, Fernand Moulier et Céline Moulier. Monsieur dit que je transporte des drogues pour Lambert depuis en 2005 jusqu'à 2013. Eh bien, la presse qui l'a, m'a informé nous ça. Ambassade de France avec ambassade américaine, yo visité 26 fois dans prison. Yo auditionné 22 fois. FBI auditionné 4 fois. DIA auditionné 18 fois. Et dans audition ça yo, gagné qui fait pendant ambassade américaine. En pile radio qui qu'on a parlé des arrestations, mais qu'on a entendu sur radio. Il est passé 9 jours dans l'ambassade là. Côté qu'il n'a pas de faire pression sur moi, mais il était juste à enjoser de mieux façon pour dire ouais, est-ce que moi-même, vraiment, mais c'est le monde que Pierre Espérance va mieux. Parce que l'objectif c'était qui ça a été, c'était pour enlever moi, aller juger aux États-Unis pour drogue, pour être capable d'arrêter Joseph Lambert qui s'est ennemi qu'il était besoin. Mais c'est bien compté, mal calculé. États-Unis pas arrêté moun sans enquête. Yo pas de bail l'autre pour te arrêter moun. C'était Pierre Espérance qui te fait affaire pour contre lui. Yo même, yo te prend responsabilité yo. Yo te mené enquête sur moi. Yo fait 7 à 8 ans à interroger moun pour yo joindre est-ce que m'impliquer dans drogue. Yo pas joindre rien sur moi. Ambassade l'a mandé m'excuse et on était même arrivé écrit gouvernement haïtien si m'a pas un dossier local pour te libérer. Eh bien, gouvernement haïtien te répondit te dit moi gain dossier devant la justice haïtienne pour déclaration calomnieuse, yo pral faire tande m sous peu. Bagay ça m'a parlé nous là, c'est bagay en 2019 à 2018. OK, m'a pas besoin aller plus sous ça. Je vais toucher le deuxième point. Monsieur Pierre Espérance dit qu'on ne peut pas jamais parler avec moi dans le téléphone. Monsieur dit pas qu'on parle avec gang. Et que moi, cher son salon, selon ça, monsieur dit, moi son gang. Je vais présenter pour nous quelques numéros
et m'a cité au tout, m'a prendre au public. M'a demandé au commissaire gouvernement Jacques Lafontaine si que lui-même vraiment c'est justice qu'il a fait. Je pense que il a autorité pour lui demander Digicel avec Natcom information pour lui balayer relever appel ça avec SMS pour moi parce que moi écrit SMS avec monsieur, il répond moi relève, il relève et c'est si monsieur compte plus intéressé par la même. Monsieur plus relève parce que moi relève. Et me tout dit nous ça. Nous sont jeunes garçons qui à peine fêté 34 ans. Moi fait 26 décembre 1988. Moi dit nous ça clairement, moi sincère et honnête ensemble avec nous. Si Digicel t'a démenti, m'a peut-être moi bail commissaire gouvernement pour arrêter me retourner dans prison. Mais si que yo joine Pierre Espérance, t'es qu'on parle avec moi, il dit qu'il pas jamais parle avec moi pour la justice, pour responsabilité parce que en matière d'instruction, depuis mon bail yo menti, tout reste ça le pral dit c'est faux. Yo pas supposé jamais entendre encore, il pas supposé jamais continuer parler et que commissaire gouvernement pour responsabilité. Mais t'as un numéro ça. Comme nous m'a dit nous ça nous capable pas connaître en dans prison téléphone interdit yon sim a vendre 1000 goud en dans prison yon petit téléphone ça ou yo kana téléphone ça pour acheter la vente en 4500 à 5000 goud yon téléphone Android tant pour ça ou a besoin entre 35 à 40000 goud pour acheter bagay moi penser qui dans en 12500 à 15000 goud. Donc ça c'est acheter me acheter pour moi, on pas en mesure pour nous prier. 46 49 63 37. Moi parler avec moi t'ai utilisé numéro ça en dans prison pour me parler avec Pierre Espérance sous 37 76 21 01. 49 02 64 que Digicel tout prend note, que commissaire gouvernement Jacques Lafontaine tout prend note. Mais t'es utilisé pour me parler avec M. Pierre Espérance sous 37 76 21 01. Moi écrit, lui écrit, moi parler avec lui, parler avec moi. 40 37 70 62. Moi parler avec Pierre Espérance sous numéro ça. 38 38 28 38. Monsieur relève en pile sous numéro ça, lui relève plus qu'elle relève madame lui. 48 49 21 90. Moi parler avec elle sous ça. Mais dernier numéro que nous avons utilisé en dans pénitentiaire national et que moi déposé parce qu'il a fait menace de mort sur numéro ça et que moi déjà informé la justice que la vie menacée en pile mon a dit moi pour la caille moi pour tout comment marcher et bien sous numéro ça et on fait SMS et on fait appel inconnu.